whole course, it's you have to be so precise. I mean, it's not just hitting the fairway and hitting the green, because there's so many slopes and undulations that if you don't hit in the right place, it's tough to make par or birdie. So, I mean, I played solid throughout the week and just really happy to get it finished. The climate is pretty similar to South Africa. It's just a lot more humid here. The course is not too much different, just a little bit harder, but it's, yeah, I really enjoy playing here. I really enjoyed it. I played last year, actually. I didn't play so well, so it's really nice to play well and get that and get last year's tournament out of the way, and it feels really good. Le Rogers Indian Ocean Amateur Golf Open est un tournoi qui se joue sur 3 jours en stroke play. Sa vocation est d'attirer les meilleurs amateurs de golf de la région, Afrique du Sud, de l'Inde, Singapour, La Réunion, Madagascar. Et ça nous donne l'occasion d'avoir une compétition de haut niveau à l'île Maurice pour nos joueurs mauriciens. Nous avons 45 participants cette année, une délégation de 16 de l'île de la Réunion, il y a 5 Sud-Africains, un Indien et aussi 2 joueurs de la Namibie. Alors cette compétition a une importance considérable pour Rogers parce que c'est vraiment en lien avec notre stratégie. On croit dans les valeurs du golf qui sont proches des valeurs du groupe. Ça s'insère vraiment dans toutes nos actions autour du golf sur notre calendrier. Donc en tant que promoteur de l'Afrika Bank Mauritius Open également, on est très très proche de ce sport. Nous avons également fait pas mal de présence internationale. Et là, spécifiquement sur ce tournoi, nous avons vraiment à cœur d'accompagner le golf amateur, donc parmi les meilleurs joueurs de l'océan Indien, et de voir, pourquoi pas, certains de ces joueurs jouer sur les tours internationaux par la suite en professionnel. On va arriver à la 4e édition du Mauritius Open en novembre. On voit l'intérêt suscité. On a quand même 5000 employés et ils demandent, ils recherchent quand même, comprennent de mieux en mieux ce sport et ils veulent venir assister, rencontrer les joueurs étrangers de haut niveau.